Donc vous êtes le professeur d'Antoine et Léo, c'est ça, les deux enfants qui ont disparu. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc vous êtes la tutrice du petit Léo. On a souvent parlé de fugue, est-ce que vous pensez que c'est une hypothèse possible? Non, 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 il n'aurait pas fugué. Il y a des gens au téléphone, forcément, quand ils m'appellent, bah, ils se lâchent un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont dit qu'ils avaient vu quand même un truc, voilà, c'est assez gros, ça ressemble pas du tout à un objet volant qu'on connaît, voilà. Je sais pas, j'ai pas envie d'imaginer le pire, mais en même temps, bah, dans ces moments-là, on peut pas imaginer autre chose. Aurait été retrouvé sur un endroit où on aurait vu un ovni, pour vous c'est... Ah, moi les ovnis, moi je crois que ce que je vois, donc j'en ai jamais vu, donc j'y crois pas.